Ah, tout, tout, tout. Est-ce qu'on va enfin tous se rencontrer? J'espère que tout va bien du côté de Rivette. Salut Ratchet, moi c'est Rivette, ravie de te connaître. Qu'est-ce que tu fais? Rien, pourquoi? Je me demandais juste comment on allait fabriquer le dimensionnateur et sauver les univers. Serais-tu nerveuse à l'idée de rencontrer Ratchet? Quoi? Ouais, un peu. Il est très gentil, je te le promets. Et une fois que nous aurons fabriqué le dimensionnateur, il nous aidera à trouver le docteur Nefarious. Ouais. Notre aventure touche à sa fin, Boulon. Toi, Ratchet et le docteur Nefarious, vous serez bientôt de retour dans votre propre dimension. Mais le vôtre... Le va-t-en-guerre est maintenant en vente. Oh, le va-t-en-guerre. Ce petit lance-roquette. Le va-t-en-guerre. Une arme dont le potentiel destructeur n'a d'égal que sa pure simplicité. Appuyez sur la gâchette de tir, il lance une roquette. Appuyez encore une fois et il en tirera une autre. Ah, mais que se passe-t-il si vous appuyez une troisième fois? Il lance une troisième roquette et boum! Ok. ok. Oh non! Attends. Doit y avoir des caisses, s'il vous plaît. Quelque part, non? Je sais pas. Juste là. C'est que dalle. Lui, normalement, on l'avait fait. Bon bah. Dégoûté. Qu'est-ce qui... Oh, salut. Salut. Oui, bonjour. et voici Clank. Hein? Oh, ton bras. Je vais bien, Ratchet. À vrai dire, je commence à apprécier ce nouveau look. Je précise que je l'ai trouvé comme ça. Oh, t'inquiète, je sais que tu ne lui ferais pas de mal. Tu es mon double dimensionnel, après tout. Attends, qu'est-ce qui prouve que c'est pas toi qui es mon double? Non, bah, ça me paraît évident. Aucun argument, hein? Non, aucun. désolé, Rivette, je te présente... Kit! J'étais impatiente de faire ta connaissance. Moi aussi. Je suppose qu'il est temps de réparer ce chaos. Ça te dirait de... Décidément, tout me réussit dans cette dimension. La solution à mes problèmes arrive tout de
sol jusqu'à moi. Tu l'as battu combien de fois, ce type? Pas assez, faut croire. Je peux essayer? Fais-toi plaisir. Qu'est-ce que vous faites? Ouh. Ouais, j'étais pas prêt, moi. Calme-toi. Ah. Il fait bobo, ce qui est embêtant. Allez, ouh, Mesby, tuez-le. Aïe, aïe, aïe. C'est ce qu'on verra. Faut du soumi, s'il te plaît. Merci. Bon, soyons sérieux deux secondes. Mais voyons si tu aimes la chaleur. Quoi, il prend zéro dommage. Oula. Allez donc, lave, que je puisse régner en paix. Tout cela ne me dit rien qui vaille. Mais très bien. Qu'est-ce que vous avez fait de l'empereur? L'empereur, c'est moi. C'est ça, je vais vous croire. Aïe. Ok, c'est mal parti. Oh lolo 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 lolo. Qu'est-ce que vous avez fait de l'empereur? Et on prend correctement. Non mais t'es sérieux? L'empereur, c'est moi. C'est ça, je vais vous croire. J'appuie sur au secours. Cette chose sur ton dos ne me privera de cette nouvelle et glorieuse existence. L'ambiance laisse à désirer. Et si on changeait de décor? Allez, changeons. Oh non, pas de fois. Voilà mon coéquipier. Gentil, Gringor. Est-ce que nous sommes... Sargasso? Ouais, c'est ici que j'habite. D'ailleurs, tu savais que... Ouais, non, non, c'est pas trop le moment. Je vous dérange, peut-être? Faites comme si je n'étais pas une menace. Ah, vous allez voir. Oh, oh, oh. Ah, mais le pauvre... Aïe, 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 aïe. T'es où? Petite botte de missile là. Elle va pour les champis. Tirez-lui dessus. J'en ai assez. Je vais vous expédier au cœur d'une supernova. Ah, de retour. Parfait. Vous vous êtes donné beaucoup de mal juste pour goûter au pouvoir, hein? Je suis tellement attaché.
Non. Quoi? Je vais pas faire. Tabassez-le. Allez. Je te donne la répartelle. Insolent. L'empereur. Oh oh. C'est un combat. Le spectacle est terminé. Allez, applaudissez fort Rivette pour sa première victoire. J'aurais tellement aimé arriver ici plus tôt. Mais passons. J'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai fini de neutraliser mes ennemis. À l'exception du Capitaine Quantum et de... Enfin bref. Quand j'ai entendu dire que la Lombax rebelle se battait contre moi, je me devais de... Venir voir l'univers entier célébrer votre défaite. Qui célèbre ma défaite? Parle de... Non, non Attendez, je combats des rebelles depuis des années. Je peux vous aider à les anéantir. Ah, mon... Fan bizarre désire m'aider. Voilà qui est tentant. Et si nous augmentions les espoirs avec un match à domicile? Il se rend sur Sargasso. Il faut que j'y arrive avant lui. On vient avec toi. Ratchet, nous devons trouver Quantum. C'est le dernier rebelle de la liste. Allez sur Ardolis et trouvez Pierre. Il saura où il est. Avant d'aller affronter l'empereur, nous devrions nous procurer un maximum de ressources. T'as raison. C'est sûrement plus sage de faire un saut à l'arène avant de partir. Il a l'air capable, lui. Voyons courir. Survivre son oui, bon. 5000 de ressources. Bien, j'ai 31. Parfait. Merci de votre visite, Suzuki. N'oubliez pas vos ordres. Dire que l'empereur est de retour juste parce qu'il est passé aux infos. L'effondrement des dimensions, c'est secondaire. L'empereur a toujours représenté une menace pour notre univers. Un instant. On va avec le bombardier. Avec ça, je te garantis. Ah, j'hésite. Allez, tu sais que tu en as envie. Ouais. Mais ne me tente pas comme ça. Léo Cosmique. Oh. Allez, lui. Disco zigzag. Encore un agent. Parfait. Offre-toi une amélioration. Tu le mérites. Bah oui, les bombes. Explosion secondaire. Les éclats explosent après un moment, infligeant ainsi des dégâts supplémentaires. Bien. Abatteur, il est niveau 4. Augmentons.
Une ogive supplémentaire peut être verrouillée et lancée simultanément. Pas pour le disco. Cadence de tir. Oh non, quand tu te munis. Oui, non. Alors, l'empereur a toujours représenté une menace pour notre univers. Nous devons à tout. Là. Ok, toujours niveau. Et récupérer le dimensionnateur avant qu'il ne nous reste plus rien à sauver. 3. Tous ces autres noms sur la liste de cibles. Ce n'est pas ta faute s'ils ont été capturés. Adressez-vous à Pierre. Il vous aidera à trouver le capitaine Quantum. Ça marche. On y va. Oui, dans l'ordre. C'était déjà horrible. Et maintenant, il a le dimensionnateur. Nous réussirons à sauver tes amis. Alors, si on part du principe que Ratchet est mon double dimensionnel et que Clank est ton double dimensionnel à toi, on est censé faire équipe, nous aussi? Ils ont l'air de bien s'entendre. Ouais. Mais moi, j'ai plus l'habitude d'être toute seule. Moi aussi. Peut-être que c'est juste temporaire. Oui, joli vaisseau. De se bagarrer. Et si on en discutait plutôt autour d'une bonne limonade? Non! L'empereur méprise la limonade. Rien ne devrait être à la fois acide et sucré. C'est qui bon le payer cher? Or que c'est bon! Bonne limonade! L'empereur est vraiment abominable! Wow! C'est pas bientôt fini de s'attaquer aux plus petits? Avec le dimensionnateur, l'empereur est encore plus dangereux. Mais courez pas comme ça, ça ne sert à rien. Bon, testons. Il ricoche. Trop bien. Ennemi neutralisé. Tes amis sont sains et saufs. Non mais... Ouais, pour l'instant. Allons parler à Mork pour savoir ce qui se passe. Bon ici, parce que tu as... Ouais, on va tenir bon. Oh, Privette, tu as encore été obligée de nous sauver. Mais on a essayé de résister, on a réparé l'astropode et tout. Mais un de ces machins choses dimensionnelles violets l'empêche de décoller. Premièrement, rien de tout ça n'est de votre faute. Deuxièmement, on va s'occuper de ce machin chose. Levez les plateformes! Ah, au fait, elle, c'est Kit. Salut, Kit! Les amis de Rivette sont aussi... Bonjour. C'est Ménard, le robot à tout faire des morques. Il nous conduira à l'astropode. À l'histoire de Saria, pour votre attention. L'empereur vous adresse une chaleureuse salutation. Avec une même pointe de conversation. Allez! Attends. Oui. Ou pas. Comme il veut.
Qu'est-ce que... Ouh. L'empereur ne compte pas s'attaquer simplement aux morgues. Il veut anéantir toute vie sur cette planète. Allez, il faut surtout pas qu'on perde Ménard. Rivette, ce n'est pas ton sujet. J'avais tout organisé avec soin. J'espère que tu ne m'en voudras pas. Garde tes distances. Ça va totalement épuiser. Où est-ce qu'il est? Son but. C'est ça, rigoler. On verra la tête que vous ferez quand on libérera l'astropode. Des menaces par hologramme. La grande classe. Les oppresseurs aiment instiller la peur à distance. J'ai pu l'observer à de nombreuses reprises pendant mes recherches. J'aimerais l'avoir face à moi, histoire de lui instiller mon marteau en pleine tête. Elle est violente. J'ai reçu un tir. Patience, nous avons de vrais grands projets en réserve sur Sargasso. N'en dites pas plus, il ne faudrait surtout pas gâcher. Voilà, c'était le démon. Continuons à suivre Ménard jusqu'à l'astropode. Ça en fait des vaisseaux. On peut dire que l'empereur ne fait vraiment pas les choses à moitié. Tout ira bien. Une fois qu'on aura libéré l'astropode, les choses tourneront en notre faveur. Je le sais. Ah, il y en avait là-bas. Tu m'attaques ? Ou pas ? D'accord. Pardon, hein. Quelqu'un doit chercher ses caisses. Ok. Faire gaffe. Mais bien. Y a quelqu'un ou pas? Mitige. Ouais. Non, c'est bon. Faut tout récupérer maintenant. Non.
Non mais relou. Je vous défends. Après c'est une mouche. Ah, ah, ça marche. Ça va faire la même chose. Denis. Ah. Alors quand j'étais avec Clankill, c'est exactement comme. Oh. Je l'imaginais. Quitte, quitte. Oh, tu vas bien. On dirait. Oh. Électrique. Oh, tu te rappelles ton entraînement. Est-ce que je peux passer? Oui. Il se dirige vers Ardolis avec Ratchet. Est-ce que vous l'avez vu? Oui, il m'a aidé à m'occuper de ces anomalies dimensionnelles. Oh, ça explique pourquoi tout ceci me paraît aussi familier. Vraiment? C'est fascinant. Comme une impression de déjà-vu dimensionnel. Mais passons. Tu veux mettre... Déjà-vu. Absolument. Est-ce que tu crois que ce roto-chargeur est à plat? Il a peut-être besoin d'un boost. Ça, c'est drôlement curieux. Le roto-chargeur a converti l'énergie dimensionnelle en mouvement. Non. Voilà. Allez, mets-le. Non. Il faut que je fasse bouger ça. Ouais, celui-là, il est pour toi. Comment je le bouge, lui? Attends.
Ok. Fallait juste... Voilà, là on cause. Excellent travail, Kit. Tu apprends aussi vite que Clank. Où en sommes-nous maintenant? Eh bien, ça s'annonce plutôt mal. Il semblerait que le catalyseur dimensionnel... Dites, qu'est-ce que vous pensez de Clank? Oh, talentueux, ingénieux, je dirais même brillant. J'approuve. Ça ne m'étonne pas qu'il soit ton double. Je ne comprends pas. C'est un compliment, Kit, pour toi comme pour lui. Et toi, que penses-tu de Clank? Nous avons à peine discuté, mais je suis heureuse que mon double soit quelqu'un de bien. Tu en doutais réellement? Le doute était... Ça fait bouger ça. Je n'en ai jamais douté. Tu es quelqu'un de bien, d'exceptionnel. Alors lui aussi. De la matière convertie en énergie? Ingénieux. Ah. D'accord. Vu. Non. Ce rotochargeur a besoin d'être rechargé. Le facto. Oh, il y en a qui tombent quand même. Ça alors, Kit, tout ce que tu as accompli serait digne d'être consigné dans les archives. Yeah. Alors, si Clank est avec Ratchet, est-ce que ça veut dire que toi, tu es avec Rivet? Comme nous y sommes destinés, oui. C'est une question de destin, toi? Je ne sais pas. Avec Ratchet, ça fonctionnait plutôt bien. Mais j'étais toujours... Eh bien, destin ou pas, j'espère que Rivet réalise la chance qu'elle a de t'avoir. J'ai la gravité zéro au bout des doigts. Donc, gravité, il va falloir qu'on passe les deux comme ça. Ok. Pardon si j'interromps ton processus, mais je crois qu'il y a d'autres sphères à trouver. J'ai pas vu. Ok. Le problème. Passer là. Oui. Ce rotochargeur a besoin d'être rechargé. De l'énergie ultra lourde. Kit, tu sais que je n'aurais pas fait aussi bien que toi si j'avais été à ta place, n'est-ce pas? Quoi? Tu es parti vers l'inconnu, sans filet de sécurité. Pour faire quelque chose que tu ne voulais. Ah, ouais, non, mais si. Et tu as réussi. Moi, je n'y serais jamais arrivé. Mais c'est faux. Vous avez essayé de remplacer votre père et de nous guider, Clank et moi. Vous nous avez aidés. Et vous aussi, vous avez réussi. Vu comme ça, vive nous. Vive nous. Voilà. Allez, plus vite. Je suis très fier de toi. Félicitations. Je n'aurais rien pu faire sans vous, Gary.
Ce rotochargeur a besoin d'être rechargé. J'aime beaucoup ces phases comme ça. Merci du coup de main, Kit. Maintenant, ces bons à rien vont vraiment voir de quel bois on se chauffe. Décollage ! Bien joué ! Ça te dit de l'exploser ? Je ne dis pas non. À défaut de nous conduire directement au croiseur de combat, ce catapulteur devrait nous en rapprocher. Je dirais de submerger tes ennemis de gouffres destructeurs. Et c'est donc le fléau cosmique. Mais faites une réduc. Cette arme a un petit Black Friday. L'homme remobilise plus lentement. Merci de ta visite, mon trésor. Oh, alors comme ça, on cherche à retourner mon propre astrophone contre moi. Oh, c'est toujours un plaisir. Oui, comment pouvez-vous imaginer vaincre le duo Nefarious? Je suis vraiment curieux de voir quelque chose qu'on peut. On est devenus potes. Vous allez bientôt le découvrir. Et avant du croiseur. Désolé de plomber l'ambiance. Oh, ça déchiquette. Le reboot. La guerre. Aïe, aïe. On part les champis. Why not? On va essayer d'éviter ça. Ok, Trudy, c'est parti. Rivette, tout notre matériel se détraque. Ces croiseurs sont en train de percer la croûte de la planète. Ces destructo-canons peuvent anéantir une planète entière en oui. Minutes. L'empereur en intention de détruire tout sa gasson. Laissez pour voir. Tchuuu. Ça marche. On se concentre sur les croiseurs de combat. Oh non ! Un croiseur a été détruit. Je suis dévasté. Que vais-je bien pouvoir faire ? Activez vos boucliers, les petits croiseurs. Boucliers ? Ah, relou. Aucune de nos armes ne viendra à bout de ces boucliers. J'ignore comment nous allons les contourner. Comment faire ?
on a bricolé des bombes avec notre réserve de gélatonium. Ça devrait vous aider à neutraliser ces boucliers. Non. Les lancer sur les croiseurs. Voilà les bombes dont parlait Mork. Attrapons-en une. Ah, voyons un peu comment s'en sortent leurs boucliers, Chachata. Parfait. Prenez ça. On prévenait Parius. Bien joué, Fish. On continue. Prenez Arlange des bombes maintenant. Ah, je commence à m'impatienter. À tous les croiseurs, augmentez la puissance des canons à 120%. Sargasso doit finir en quête. Oh là là, catastrophe. C'est en train de mal tourner par ici, Rinez. Vous êtes les seuls à pouvoir nous sauver. Sargasso est en train de... J'arrive. Nous devons vite détruire les autres croiseurs de combat. Mayday, Mayday, laisse-vous pas les toucher. Je vais essayer d'amérir. Tout repose sur toi maintenant, Rinez. Go. Les créatures volantes sont crucifiées. Éradiquez-les tous! Tu as réussi! On a réussi! Inattendu juste avant que j'arrive pour te rayer de ma liste. Allez, direction la prison de Zorro. Non, ce serait trop banal. Et si on pimentait un peu les choses? Nous avons atterri dans une poche dimensionnelle. Ah, heureusement, notre empereur omniscient ne sait pas que je sais exactement comment sortir d'ici. Non, trop loin! Allez, quoi? Faites un petit effort! Vous semblez vous connaître depuis très longtemps. Ouais, on peut dire ça. Ça fait un bail que je me bats pour libérer la galaxie. J'ai perdu des amis, mon bras. L'empereur t'a fait ça? Oh, pas exactement. C'est arrivé pendant une mission. J'avais trouvé un moyen d'entrer dans la tour de l'empereur. Alors j'ai tenté ma chance. Toute seule. La porte était tout près. J'avais pas remarqué le robot de guerre de Nefarius à côté. J'ai voulu m'enfuir. J'ai pas été assez rapide. Il s'est arrêté. Je me suis enfuie avant qu'il soit trop tard. Mais maintenant, j'ai un bras super cool. Alors, j'ai pas trop à me plaindre. Rivette. Je... t'inquiète. Hé, hey, regarde! Une sortie! Allons voir! Allons chez Urki. Ratchet et Clank auront peut-être... Alors, Trudy, prête à décoller? Général de limonade! Ouais! Ça va être la méga pista ce soir! Ah que petit passif! Ratchet! Eh, paratonnerre! La meilleure amie de tous les morts. Et Ardolis. Adressez-vous à Pierre. Il vous aidera à trouver le capitaine Quantum. Eh oui, on sait.